Bon matin à tous, ici c'est Michael, bienvenue sur G-Mite, votre chaîne dédiée aux jeux en ligne massivement multijoueurs et plus si affinité. Ce matin, je vous propose de découvrir une version démo de Retrograde, un jeu d'aventure développé et édité par un studio indépendant du nom de Retrograde, qui est jouable en langue anglaise uniquement. C'est parti. Je vous rappelle le principe de l'émission. Nous allons découvrir le potentiel du jeu afin de voir si l'on aurait financé son développement, au complet, à moitié ou pas du tout, selon nos propres critères. Alors, commençons. Start game. Donc, un jeu de tir à la... Pardon, un jeu à la première personne. Là, ça me fait penser un peu à... Stanley Parable. Niveau du bureau, hein. Sleeping Chamber. And welcome to Retrograde Incorporated. My name is Brett Mitchell, and I'll be your guide during your time here with us. Firstly, I'd like to say on behalf of everyone here at Retrograde, thank you for volunteering your precious time to help us help others. Ok, il semblerait que je sois un volontaire pour une espèce d'expérience. D'accord. Est-ce qu'on peut aller ailleurs? Oh. Ce qui est assez étrange, c'est qu'il n'y a plus personne. Il n'y a pas d'horloge, pardon. Retrograde Inc. Believe it, speak it. Leave it. Ok. We started as a small clinic helping people reclaim their memories over 30 years ago. Here at Retrograde, we have held the belief that through our commitment to less invasive retrieval of our patients' inciting memories, as well as teamwork, support, and the help from volunteers like you, we will better the quality of life of those amnesia patients one memory at a time. Ok. Bon, ça fait 30 ans que... Que laisse beaucoup de succès. Ok, apparemment, je suis là pour essayer de comme, retrouver la mémoire. Et il semblerait qu'ils vont m'aider à le faire. Ok. Oh, bel endroit, ça c'est chic. Welcome to our virtual memory recovery unit. Nice, eh? This is how we'll be communicating with you while you're volunteering with us. After you complete your training, you'll be on the front lines, entering the memories of patients and helping them weed out through the mess to find the one deciding memory that brought on their amnesia. Alors, de ce que j'ai pu lire sur la page web du site et puis ailleurs, c'est un jeu d'énigmes à la Portal. Bon, en fait, on va devoir résoudre tout cela afin que notre personnage puisse retrouver sa mémoire. Donc il semblerait que nous soyons dans son subconscient. Ou pas encore. Ouais, puisque c'est, on a pris cette espèce de casque virtuel. Ou c'est après. We have a strong future ahead of us, and it's all thanks to volunteers like you. Thank you again, and we're excited to have you join our team. Please follow the hours to the training facility and good luck. Ok. Je peux m'asseoir. Bon, déjà, les sièges sont mal placés hein, par rapport à l'écran. Parce que là, on sera obligé de vraiment lever la tête. Ce qui est très désagréable. Donc, on est censé passer par là. C'est assez intriguant jusqu'à maintenant. La curiosité est là. Alors, centre d'entraînement. Press E to pick up and drop cube. Alors, donc, il faut appuyer sur E pour pouvoir ramasser et puis déposer les cubes que je vois. Est-ce qu'on peut le faire à distance? Non, il faut nécessairement être à côté, semble-t-il. Ok, quand il y a un point vert, c'est que on peut... Non, on est à portée, en fait. Si je recule, ouais, effectivement. On peut... Non, on peut pas se lever, cela. On peut juste... Enfin, on ramasse pas vraiment, hein. Il faut être à côté? Non. On peut à peine les lever. Ou alors, en fait, il faut être à portée. Même pas. Oui, c'est ici. C'est bizarre. Je veux dire, c'est pas très stable, hein. Ah. Attendez. Ouais. Bon, ça va être un peu assez difficile. Ah, c'est vrai. Donc, ça sert à quelque chose, forcément. Ok, donc on va faire ça.
Oh là, ça marche. Donc quand je relâche... Oh, il disparaît. Ok, bon. D'accord. Donc je vois comment ça fonctionne. J'appuie sur E, donc je dois maintenir et puis avec... Oh, enfin, si ça ne rencontre pas d'obstacle particulier. Bon, pas grave. Oh, intéressant. Il y a un subconscient assez particulier, très cubique, très cloisonné. Bon, j'imagine qu'il faille gérer ça et arrêter. Moi et les puzzles. Oh. Enfin, du moins quand je filme tout ça, quoi. On va attendre qu'ils soient. Non, c'est vrai, je suis pas à portée. Est-ce que de là je peux faire quelque chose? Non. En fait, il faut que je le déplace au bon endroit. Genre, merde. Non, pas encore. Allez, reviens. Merde. Ah. Ah, il faut réagir rapidement. Surtout être à porte. Ah, je l'ai, c'est bon. Nice. Choose your path wisely. Ok, il faudra qu'on choisisse notre chemin de manière très sage. Très avisée. On peut mettre quelque chose ici. On va prendre le milieu. Ok. Apparemment, c'est une espèce de... Oh! D'arme de... d'apesanteur. Ça nous permet en fait de pouvoir attirer justement ce cube-là à distance. Oh, attends. Ramène-le ici. Voilà. Tu fais un deuxième. Bien, pour l'instant ça me plaît bien. Je veux dire, le tutoriel est assez éducatif, dans le sens où très pédagogique. Voilà, ça. Donc, on n'a pas de mal à comprendre comment les choses se font. Il faudra juste bien les exécuter pour que ça passe. Ok, donc il faut cibler les objets violets et appuyer sur espace. Oh, d'accord. Intéressant. Bien. J'aime. Pour l'instant, ouais. Il n'y a que du positif pour l'instant. On n'a pas vu grand-chose, hein, c'est juste le tutoriel. Alors, ça. Oula, ok. Mais forcément, à un moment donné, il faut que ça commence à devenir compliqué. Alors, donc l'idée, ce serait quoi? Que je me téléporte afin que je... J'aille là-bas. Ensuite, est-ce que je peux atterrir là-bas? Bon, voyons voir là-bas. Qu'est-ce qu'on pourra... Cube. Il y a un cube là-bas. Ok, il faut le faire descendre. D'accord. Ok. En plus, c'est écrit un cube. Ah, oh, voilà, je l'attends. On va bien. Ah. Oh. Bon, il faut aussi bien viser quand même. Hein. Ah, non, voilà, c'est bon. C'est bon. Ensuite, il faudra juste... Bien. Ouh, ok. Jusqu'à maintenant, je le redis encore. Oh, Z pour zoomer, ok. Oh. Bon, c'est flou. Mais c'est pas mal du tout. Welcome back and congratulations on finishing your training. It's me, your supreme ruler. Just kidding. It's me, your old buddy Brent. Aren't you glad I'm back? You are now ready to achieve your first assignment and help make a difference in a person's life. Bon, je vais avoir ma première mission officielle. Là, c'était juste entraînement, comme on a pu le voir au début. J'imagine qu'il va falloir que j'aille à gauche. There are a few things that you should know before entering into the mind of a complete stranger, like who they are. So, here's a scoop on your first assignment. This is Nancy Martin. She is 63 years old and lost her memory about 3 months ago. She loves clock dancing, tchotchkes, and watching 90s game shows. Oh,
And there's one more thing. As a liability, I must inform you that entering the mind of a person can cause problems such as heart failure, mental illness, not now, mom, and legal possession of your first born child if you inherit the ability to enter someone's mind. Forcément. Related to you volunteering at this time today. We want to remind you that you volunteered on your own to be here. Now, we cannot and will not take any responsibility for any of the above aforementioned problems and or issues that may or will occur. That being said, have fun and enjoy. Alors, donc, je viens de comprendre de manière globale. Ils sont même volontaires pour aider des patients à retrouver leur mémoire. Donc, on a passé la phase entraînement pour qu'on puisse comprendre comment les choses se déroulent. Et maintenant, les vraies choses débutent. Alors, il reste combien de temps? Ok. Il reste encore du temps pour découvrir un peu plus de choses. Mais jusqu'à maintenant, je peux déjà... Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'excites? Ok, il faut cliquer sur les surfaces. Oh, ok. Voilà. Non. Comment j'ai fait ça? Ah, ici? Une fois? Merde. Attendez, on va d'abord regarder les flèches. Ok. Il faut amener le cube là-bas. Pour ouvrir ça. Le cube est là. Quick-click. Ah, ok, sur le sol en fait, c'est ça? Ok, une fois. Ah, il faut que j'enlève la table. Non, il faut que j'avoue la tirer, pardon. Voilà. Attends. On revient ici. Il est où? Il est... Waouh, ok. Il faut. Attends, clic. Mais pourquoi il continue à cliquer tout seul? Ok, d'accord. Donc je dois rien faire comme ça une fois et puis. C'est ça? Non, une fois. Merde. Non, bah ça change de couleur. Merde. C'est quoi cette connerie? Ok, d'accord, je vois. En fait, c'est bon sur les murs, quoi, c'est tout. Oh, merdasse. Ok, en fait, ce qui se passe, c'est que pour pouvoir désactiver la pesanteur, donc l'effet d'attraction, comme on peut le voir, il faut que je clique sur les murs, comme ça. À ce moment, il est attiré par le... Waouh. Ok, c'est bon, je finance entièrement. Je finance... Ok, mais le truc, c'est quelle couleur fait quoi? Ok, là... C'est le bleu qui attire, semble-t-il. Quand c'est jaune. Merde, je vois pas. Ok. Il attire. Le truc, c'est que je la mets là-bas. Voilà, c'est bon. Non, mais non. Merde, arrête. Attends. Reviens. Il va me fatiguer l'esprit, lui. Et j'aime bien. Attends. Ok, on s'écarte. Voilà. Bon. Mais merde, je peux pas voir plus loin. Attendez. On va aller là. Hein. Non, reviens ici. Merde, trop tard. Oh, il y a un autre là-bas? Non, c'est pour ouvrir ça. Je peux passer? Oh. Ben, je... Oh, ok, d'accord. Mais comment il a fait? Bon, je sais pas. En tout cas, j'ai réussi à ouvrir ça. Ok, on va voir qu'est-ce qui se passe. While holding a cube, click to throw. Ok, donc on peut balancer justement ça. Donc, il faut que je l'amène ici, normalement. Il est où? Merde. Je sais que vous avez compris justement c'est quoi la différence quand c'est bleu, etc. ou quand c'est jaune. Ok, quand c'est... Là, il est tiré... Attends, est-ce que là, j'ai désactivé? J'ai plus là. Il a tiré vers le haut. Si j'ai fait là... Ok. Si j'ai fait ça, il sera... Voilà, vous dites... Ah, oh, mais pourquoi tu n'appuies pas sur E? Voilà, puis tu le manipules comme ça. Te fatigue pas l'esprit. Voilà. Oh, merde. Oh. Viens ici. Non, je peux pas arrêter. Il continue à cliquer. Je sais pas si c'est un bug, hein, parce que là, il y a que ça qui l'arrête, en fait. Je clique ailleurs, boum. Mon cube est passé ailleurs. Mais bon, on va arrêter là. Pas besoin d'aller plus loin. Je le finance entièrement. D'accord? Moi, ça me plaît, ce genre de jeu là. J'ai pas joué à Portal, malheureusement. Oui, faut être témoin. Nioh 1, Nioh 2. Mais celui-ci a l'air un peu d'être dans le même genre de jeu, hein. Et peut être assez frustrant à certains moments, mais quand c'est intelligemment bien fait, moi j'adhère totalement. Voilà, c'est tout. Donc le jeu s'appelle Retrograde, donc c'est une version démo. J'ai mis tout le lien dans la description de la vidéo, donc si jamais vous êtes intéressé par ce jeu, vous pouvez le mettre en favori
sur votre navigateur web et surveiller justement sa sortie prochaine. Ah. Non, c'est il en faut deux. Hein. J'en ai juste un seul. Ah, je peux aller récupérer d'autres là-bas ? Probablement. Ou non, on peut pas. Bon, c'est pas grave. Allez. Ah ouais, peut-être qu'il y a une autre cube dedans, en fait. Ouais, je pensais ça. Ok, c'est tout. Donc, merci d'avoir eu la patience et la générosité de regarder ces vidéos jusqu'à la fin. On se retrouve une prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous. Amusez-vous bien et comme d'habitude, n'encouragez pas la médiocrité. Ciao, ciao et bonne année.